Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du dark mode, on va parler du thème foncé sur YouTube, c'est recherché beaucoup. Alors, c'est pas une vidéo fake, c'est vraiment la possibilité de se mettre en mode thème foncé dark mode sur YouTube à partir de votre tablette ou de votre smartphone sous Android avec cette petite astuce. Avant tout, voici l'intro. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez ici vous apercevoir, je suis sur Firefox et je suis sur YouTube. On peut voir que là, actuellement, aucun thème dark mode, aucun thème foncé dark mode est présent. Pour bénéficier du thème dark mode, lorsque vous allez lancer Firefox, vous allez donc aller sur YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube, tout en haut, à droite, vous avez un petit bouton. Menu, bouton. Menu, bouton. On rentre à l'intérieur. Menu. Vous allez vous diriger sur Historique. Rechercher dans la page module complémentaire. module complémentaire. C'est ici que c'est important. On va aller donc dans le module complémentaire. Module complémentaire chargé. Une fois que vous êtes rentré dans module complémentaire, on va aller sur le choix Parcourir tous les modules complémentaires de Firefox bouton. parcourir tous les modules complémentaires de Firefox. On rentre à l'intérieur. Nouvel onglet. Chargement. Alors pour tous ceux qui arrivent Module pour Android est chargé. Alors pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent mon smartphone actuellement parler, vous en faites pas, c'est un petit lecteur d'écran qui permet aux malvoyants de servir de tous les systèmes d'exploitation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation sont équipés de lecteurs d'écran qui donnent l'accessibilité aux personnes mal et non-voyantes. Une fois qu'on est rentré sur la page des modules complémentaires Firefox, tout en haut, vous avez une zone d'édition. Module pour endroit rechercher des modules. Recherchez un module complémentaire. Ce qu'on va faire tout de suite. Édition. Une fois que vous êtes dans la zone d'édition, on va tout simplement marquer thème foncé. Une fois que vous avez marqué donc thème foncé, Rechercher touche. on va faire Navi rechercher. édition. Une fois que vous avez validé sur votre clavier, différents thèmes vont se proposer à vous, dont un qui va s'appeler. Module pour Android Dark Theme for YouTube. On va pouvoir télécharger ce module complémentaire Dark Mode thème foncé pour YouTube. Ça, c'est vraiment super génial. On le Aucun valide. contenu. Dark Theme for YouTube. Ajouter à Firefox lien. On va donc l'ajouter à Firefox. On valide. Installer Dark Theme for YouTube. Installer. Bouton. Une boîte de dialogue s'ouvre et nous demande d'installer ce module complémentaire. On va le faire. Firefox. Installation terminée. Installation terminée. On va maintenant retourner sur YouTube et on va voir si notre dark mode a été mis en place. On est actuellement sur Android 8.0, mais c'est complètement égal puisque ça va être accessible à n'importe quel Android. Retour. Et on va revenir sur YouTube. Notre module complémentaire a été chargé et installé. Et ici, on peut voir ici que notre YouTube est mis en mode dark mode, en mode thème foncé. Ceci peut être très utile pour les personnes malvoyantes et pour beaucoup de personnes qui ont envie de se reposer les yeux. Car le but est de se reposer les yeux en se mettant en thème foncé. Et on peut voir sans problème, si on lance une vidéo, on peut s'apercevoir ici que le thème foncé est mis en place. On a une lecture parfaite de tout. Par exemple, les commentaires. Ici, on peut s'apercevoir que la vidéo est très correcte. J'espère que cette petite astuce va vous servir à vous mettre en thème foncé, va vous reposer les yeux, va vous faire du bien. Utilisez-la sans raison, puisque c'est vraiment
un thème foncé dark mode très sympa. Vous allez avoir une vision des vidéos bien plus nette. Le soir, ça sera bien plus pratique pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé donc à installer ce petit module complémentaire sur Firefox à partir de votre smartphone ou de votre tablette. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Plus de 9200 abonnés, on approche des 10 000. Alors abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir visionné celle-ci jusqu'au bout. Et à très vite pour la prochaine. Salut à tous!